Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film The Boy, la malédiction de Brahms, qui est sorti au cinéma le 26 février 2020 et qui est réalisé par William Brent Bell, tout comme le premier film The Boy qui était sorti en 2016. J'avais beaucoup aimé le premier film The Boy que j'avais vu au cinéma lors de sa sortie et que j'ai revu très récemment avant de voir le deuxième. Je vous en ai parlé rapidement dans ma vidéo watchlist de février 2020, je vous mets le lien en haut à droite. C'est un film que je trouve surprenant, qui avait réussi à se démarquer de ce qui se faisait au moment de sa sortie au cinéma. Il y avait beaucoup de films qui surfaient sur la tendance paranormale, surnaturelle, fantastique, etc. Et du coup, The Boy arrivait à se démarquer grâce à son retournement final qui était assez réaliste, assez probable et concret. Et l'annonce d'une suite me paraissait quand même assez bizarre vu que la fin du 1 n'était pas ouverte. On connaissait la grosse révélation. On connaissait très bien l'identité de Brahms, il n'y avait pas de doute à ce propos. Donc une suite, ça semblait assez sorti de nulle part. Et ben, j'avais pas complètement tort. Ici le film se situe quelques années après la fin du premier film. On suit une famille londonienne dont la mère s'est fait agresser lors d'un cambriolage chez elle. Elle est traumatisée tout comme son fils Jude, qui a assisté à la scène d'agression de sa maman et qui depuis refuse de parler. La famille s'installe à la campagne, ils louent la maison d'amis qui est proche du manoir Elshire qu'on voyait donc dans le premier film. Et forcément, juste après leur arrivée, le petit garçon Jude ne tarde pas à découvrir la poupée Brahms qui est enterrée dans la forêt. Le petit garçon et la poupée deviennent de grands amis et la poupée ne tarde pas bien entendu à semer le trouble dans la famille. Si tout le début du film est plutôt intriguant et plutôt intéressant parce qu'il y a beaucoup de scènes en fait de cauchemars. Parce que la mère de famille qui est incarnée par Katie Holmes est traumatisée voilà, par l'agression qu'elle a subie dans son appartement. Donc elle fait beaucoup de cauchemars, elle a des espèces d'hallucinations un peu visuelles, un peu auditives. Ça laisse place à énormément de jumpscares qui sont assez artificiels mais bon, on va dire que ça passe. Et quand elle commence à focaliser en fait sur la poupée Brahms, elle a l'impression de l'avoir bougée, elle a l'impression de voir sa tête tourner, etc. On pourrait juste se dire que la poupée en fait canalise ses angoisses et ses peurs et qu'elle reflète tout ça là-dessus alors qu'en fait il se passe rien du tout. Mais les événements commencent à devenir beaucoup trop bizarres pour que ce soit dû juste à des hallucinations ou des visions ou des cauchemars. Le comportement du petit garçon commence à devenir de plus en plus bizarre. Il déchire ses jouets, il fait des dessins bizarres, il renverse des objets. Et la mère commence à mener l'enquête sur cette poupée qui vraiment sème le doute dans son esprit. Je pense qu'à partir de ce moment-là, je vais spoiler le film parce que j'en ai besoin pour développer en fait toute l'histoire, toute la révélation et tout qui a été faite. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, que vous voulez vous garder la surprise, ne surtout pas connaître la révélation finale de ce film-là, je vous conseille de quitter la vidéo maintenant, mais n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Retournons donc à notre film. La mère de famille commence à mener l'enquête concernant cette poupée. Elle a envie de savoir quelles sont ses origines, d'où elle vient. Elle enquête un petit peu dans le manoir Elshire qui est en travaux, en rénovation, mais des travaux qui ont été abandonnés en cours de route. Elle ne tarde pas à découvrir qu'en fait, cette poupée, eh bien, elle est maléfique. Elle est maudite, tout simplement. Elle apprend que la poupée existe depuis de très 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 nombreuses années, des décennies, voire même peut-être un peu plus d'un siècle. Et qu'en fait, chaque famille qui a possédé cette poupée, eh bien les enfants de la famille ont été possédés et ont été poussés à tuer leurs parents, leurs amis, leurs cousins, leurs frères, leurs sœurs. Et donc, on apprend à ce moment-là que le petit garçon du premier film The Boy, Brahms, eh bien en fait c'était pas... Il n'était pas fou en fait, il était juste innocent et il était possédé par l'esprit de la poupée et c'est pour ça qu'il avait tué sa camarade de jeu et mis le feu dans sa chambre. C'est hyper mal amené parce qu'on sait même pas si elle est juste maudite par l'opération du Saint-Esprit ou si elle est possédée par un esprit ou par un démon ni quoi que ce soit. C'est juste voilà qu'elle est maudite et que bah, les gens qui la possèdent sont maudits à leur tour. Cette révélation sort vraiment de nulle part, mais ça sort vraiment de nulle part. Ce que je trouvais vraiment intéressant dans le premier film, c'est qu'il était réaliste. On avait une vraie histoire et on avait une vraie explication. Et ici, on, excusez-moi l'expression, on fait caca sur le premier film en sortant cette explication sortie de nulle part de possession. C'est vu et revu et archi revu. C'est hyper dommage en fait d'avoir gâché tout le concept du premier film, tout le potentiel du premier film, de l'avoir gâché pour faire un film comme ça. Qui franchement n'a aucun intérêt,
Il y a quelques scènes qui peuvent aller un petit peu coller le frisson parce que voilà, la poupée Brahms, le design de la poupée, c'est vrai qu'il fait peur. Voilà, cette poupée à l'ancienne, habillée en petit costard, avec son visage très inexpressif. Mais c'était pas la peine de faire une suite pour faire ça. Mais vraiment pas du tout. Il valait mieux faire un autre projet que de faire cette pseudo-suite parce qu'en plus, ben en fait, ça n'apporte rien au premier film à part gâcher ce qu'on nous a expliqué. Parce que dans le premier film, on nous expliquait bien que le gamin était bizarre, qu'il était un peu fou, etc. Donc c'était intéressant comme concept. Pourquoi ici le gâcher en nous disant bah non, en fait, le pauvre il était possédé et c'est pour ça qu'il est parti en sucette et que les parents se sont suicidés. Ça n'a aucun intérêt en fait. En plus de ça, la scène de révélation, vous savez, c'est typiquement ce genre de scène dans les films d'horreur où deux personnages font la même découverte au même moment, le même soir, à la minute près, mais ils sont à deux endroits différents. Donc le père est à l'hôpital avec un cousin qui a été blessé, la mère est à la maison, elle fait des recherches sur internet à propos de la poupée, et au même moment ils ont l'info qu'en fait, voilà, il y a eu une histoire autour de la poupée, que le type qui a acheté la maison Elshire est devenu fou, il se rend compte que c'est le type qu'il connaissait, etc. Quoi, c'est complètement alambiqué. Et moi ça m'a fait lever les yeux au ciel, ça m'a gâché le film en fait. Jusqu'à la fin j'avais quand même plutôt espoir qu'il y ait une vraie explication ou qu'on nous dise juste voilà que la poupée c'était juste le réceptacle des angoisses de ces personnes là. Non, on nous gâche tout avec cette histoire de malédiction, ajouté à ça des effets spéciaux mais qui devraient être interdits en 2020 de faire des effets spéciaux aussi moches. La scène où il y a le scolopendre qui sort de l'oreille de Brahms, c'est d'une laideur mais absolue. La scène de fin avec l'espèce de grosse explosion de feu hyper moche, faite, je sais pas, sur After Effects. La tête de la poupée qui se casse avec l'espèce de petite créature hyper moche à l'intérieur, mais ça n'avait aucun sens. C'était mauvais. C'était mauvais. Franchement, ce film, j'en attendais pas grand-chose. Ben, j'ai quand même été déçue. Hein, c'est... Voilà, c'est... J'étais curieuse, je voulais voir ce que ça donne et finalement j'aurais dû rester sur mon avis de départ qui était que cette suite ne m'intéressait pas parce que elle allait pas être pertinente et effectivement c'était le cas. Et en plus de ça, parce que c'est pas fini, le film se permet quand même le luxe de nous faire un dernier mini twist final pour nous laisser sous-entendre qu'il y aurait peut-être un troisième film. Mais non merci. Non merci, le 2 était déjà de trop, on n'en veut surtout pas un troisième. Je pense que vous l'aurez compris, mais ce film ne m'a pas du tout emballée. Je sais même pas s'il y a des points positifs à sortir, parce que la réalisation est même pas exceptionnelle. Voilà, c'est une réalisation qui est somme toute classique pour ce genre de récit. La musique, c'est de la musique classique dans un film d'horreur. Les acteurs sortent pas du lot. Cathy Holmes, ça fait pas partie des actrices que je trouve extraordinaires parce qu'elle est ni bonne ni mauvaise, mais voilà, c'est Cathy Holmes. Le gamin joue bien, voilà, le gamin joue très bien, il est très mimi, il est assez convaincant, mais tout le reste, les effets spéciaux, l'histoire, il y a rien qui va. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu The Boy, la malédiction de Brahms, si vous l'avez aimé, dites-moi également pourquoi vous l'avez aimé. Peut-être que vous soulèverez des points qui m'ont pas forcément sauté aux yeux. Si vous ne l'avez pas encore vu et que vous avez toujours envie de le voir, allez-y, mais bon courage. Mais franchement, gardez plutôt vos sous pour la prochaine sortie horrifique. À mon avis, ça vaudra plus le coup. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !